Les amis, juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à remercier iMixFoot, le partenaire de la chaîne YouTube et qui aussi sponsorise cette vidéo. iMixFoot, c'est tout simplement un site qui vend des maillots de foot tels que le Barça, celui du Real, celui du PSG. Bref, il y a tous les maillots à bas prix. En plus, les frérots, écoutez bien, vous avez 15% de réduction avec le code BC. Donc n'hésitez pas à profiter. Première ligne de description. Maintenant, on va passer à la vidéo. C'est parti. Wesh, salut à tous les amis, c'est Barsetti, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bon un petit peu fatigué, je pense que ça peut peut-être se voir, mais très heureux de vous retrouver parce que hier en plus j'ai pas fait de vidéo, j'étais pas chez moi, du coup on se retrouve pour les bonnes habitudes, c'est-à-dire les vidéos actualités que vous aimez tant, du coup juste comme d'habitude avant qu'on passe forcément aux grosses informations, parce que là je vous mens pas, restez bien jusqu'à la fin, parce que vraiment la dernière... Bref, je disais, puisque je pense que vous l'avez tous entendu, la moto qui est passée, du coup je disais vraiment restez bien jusqu'à la fin parce que il y a vraiment des infos de où vous n'êtes pas prêt, mais bien sûr aussi avant le petit like et forcément l'abonnement, on tente les 10 000 abonnés avant 2023 et je sais que vous allez le faire, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, maintenant on va passer tout simplement à l'intro, allez, c'est parti! Pour commencer les amis, on va parler forcément d'argent et de mercato en même temps, car la valeur actuelle de Frenkie de Jong serait de 112 millions d'euros, mais le Barça veut le vendre à peu près à 70-80 millions. Et vous le savez tous, hein, vous savez tous quel est le club qui veut Frenkie de Jong, je vous le montre sur l'écran, voilà, je pense que vous le savez tous. Mais voilà, si le Barça devait vendre Frenkie de Jong, ce sera pour 70 ou 80 millions. Bon, moi, je vais être honnête avec vous, je pense qu'il partira pas, je pense pas qu'il partira. Parce que le Barça, ils veulent vendre, mais en fait, ça peut être un autre joueur qui peut partir. Donc, s'il y en a un qui part, c'est pareil. Donc, je pense que Frenkie de Jong va pas partir. Comme j'ai toujours dit, je pense que les joueurs qui vont partir, ça sera peut-être des Oscar Mingueza, des Langlais, des Samuel Umtiti, voilà, des joueurs qui ont quand même un très gros salaire mais qui nous servent à rien, donc du coup voilà, donc je pense pas que Frenkie de Jong honnêtement il parte, après c'est mon avis comme d'habitude, chacun a son avis. Alors là franchement je respecte mais de ouf Rafinha, parce que tout simplement le désir de Rafinha il est toujours pour jouer à Barcelone, mais on apprend que en fait il a refusé parce que Liverpool, puisqu'ils vont vendre certainement et sûrement Mané, ils veulent un remplaçant et ça pourrait être notre ami Rafinha. Sauf que Rafinha a complètement rejeté l'offre de Liverpool car son désir est vraiment le seul, c'est de jouer à Barcelone. Et franchement, ça fait plaisir de voir des joueurs, tu vois, qui ont l'amour du maillot, tu vois, qui sont déterminés à signer au Barça. Et franchement, non, ça fait plaisir. C'est comme par exemple Lewandowski actuellement. Et franchement, c'est toujours cool de voir que le joueur préfère de tout cœur Barcelone que notre club, tout simplement. Alors là, je m'y attendais tellement pas, tu vois. Je rentre tranquillement chez moi, hop, là, je vais sur Twitter et tout. Et là, je tombe sur quoi? Que André Di Maria pourrait signer à Barcelone, et en plus gratuitement. Donc, la vie de ma mère, je suis choqué. En fait, je suis tellement choqué que là, je sais même pas quoi vous dire. Je sais même pas si c'est possible ou pas, parce que déjà, il y a quand même une histoire de fierté. Il a porté quand même le maillot de Real Madrid, donc je sais pas s'il va avoir des couilles d'aller à Barcelone. Après honnêtement, c'est un très bon joueur, André Di Maria. J'aime beaucoup André Di Maria. Après, ce qui va nous être utile, c'est une autre question. Mais franchement, gratuit et tout, ça se discute, voire même ça se prend. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le prenez ou pas. Mais franchement... En fait, j'hésite, je te mens pas, je suis 50-50. Donc, n'hésitez pas, vous, à me faire part de votre avis dans les commentaires pour voir qui c'est, dans quelle team je dois être. Est-ce que je dois dans la team, il doit venir, ou dans la team, il doit pas venir. On va se quitter, malheureusement, par une mauvaise nouvelle, car Pep Guardiola a parlé concernant un potentiel départ de Bernardo Silva et il aurait dit que tout simplement Barcelone, il y a écrit quoi, aura du mal à signer Bernardo Silva. Donc, pour moi, je pense que ça veut tout dire, ça veut dire qu'on l'aura jamais, même si moi je te mens pas que j'en voulais pas trop de base. Donc ça va, en fait pour moi ça va rien changer ce truc. En plus vous, il y en avait quand même quelques-uns dans les commentaires, vous étiez favorables à l'arrivée de Bernardo Silva. Du coup je suis vraiment désolé pour vous, mais Pep Guardiola vous a brisé les rêves. Donc pour moi, comme j'ai dit, ça change rien, mais c'est toujours cool de
Ben d'essayer quoi, tout simplement. Ce qui se passe du côté de Barcelone avec Dembélé, c'est chaud car le club est très en colère de Dembélé, tout simplement sur Dembélé, car tout simplement ils n'ont aucune nouvelle du joueur depuis plusieurs semaines. Et en fait ils imaginent en gros pour eux le Barça, puisqu'il n'y a plus de nouvelles de Dembélé, ils pensent qu'il a acté son départ du Barça avec un autre club, c'est pour ça qu'il répond plus et tout. Et du coup il n'y aura plus du tout de réunion entre le Barça et Dembélé, donc pour moi la conclusion c'est bye bye Dembélé. Pour moi c'est impossible, vraiment impossible qu'il reste, même si tout est possible, mais là je vois pas comment ça pourrait le faire. Vous n'hésitez pas à me dire, mais c'est impossible et je pense vraiment que vous êtes du même avis que moi. Oui les frérots, comme chaque vidéo, qu'est-ce que je voulais dire déjà, je sais même plus ce que je voulais dire, mais en gros comme toutes les vidéos, il y a une fin malheureusement, et j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, voilà, je pense que je vais pas me répéter, vous comprenez et vous connaissez les paroles, le petit like, le partage et l'abonnement. Moi sur ce, je te fais de gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.